Hélène, un seul homme peut-il réellement changer l'histoire? Non. Alors je pense que les catholiques se disent ça, ils se disent que Jésus, si c'est un homme, a changé l'histoire, mais enfin non. Et puis, mais de toute façon, ce qui, par contre, ce que je voudrais retenir de cette question, c'est l'idée que les hommes peuvent changer l'histoire. Qu'un homme peut, en tout cas, avoir une force agissante à l'intérieur de l'histoire. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'un homme peut s'interposer, peut ralentir, peut transformer. Et ça, ce sont évidemment les archi-exceptions, c'est-à-dire les très grands, comme Gandhi ou comme Mandela, qui arrivent à... Mais c'est l'histoire, évidemment, c'est une histoire locale, hein. C'est l'histoire d'un pays. C'est pas l'histoire en général, l'histoire globale, non. À moins qu'évidemment, tu imagines autre chose de l'autre côté, c'est-à-dire un homme qui aurait trouvé la bombe absolue. Et qui changerait l'histoire en détruisant l'univers, ou que tu aies un Ben Laden qui produise un tournant dans l'histoire politique mondiale en déclenchant un certain type de force du mal, une invention de mal nouvelle. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Mais sinon, l'homme est changé par l'histoire. Il ne change pas l'histoire, et il est aussi une émanation de l'histoire. C'est un produit, c'est une résultante. C'est-à-dire qu'il porte en lui l'état de l'histoire, et il est dans un continuum dans lequel il peut être agissant ou pas, ou passif. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que je dirais que la plupart des gens sont passifs. Ils sont réduits à la passivité, donc ils sont portés comme ça par les circonstances, quels qu'ils soient, hein, dans quelque pays que ce soit. Et puis, ils remettent leur sort finalement, ou bien leur sort leur est de toute façon confisqué. Bon. Et ils remettent leur sort où leur sort est remis entre les mains de quelques décideurs. Hein. Bon. Mais est-ce que ça change l'histoire? Moi, je pense justement que constamment, ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire, parce que c'est un mot qui recouvre des réalités très complexes, est toujours la résultante d'un très 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 grand nombre de forces qui sont... en combinaison permanente pour produire des effets, des événements, des transformations, etc. Et là, parmi lesquels, il faut compter aussi les progrès de la science, les altérations de l'univers, etc. Est-ce qu'elle est toujours le point de vue du vainqueur? L'histoire? Tu veux dire l'histoire, le récit, alors? Oui, dans ce sens-là. Si on parle du récit historique, de l'histoire en tant que récit. Alors, celle qu'on écrit dans les manuels, c'est ça que tu veux dire? Alors ça, oui. Ça, il faut dire qu'elle est, dans les manuels scolaires en tout cas, moins, je dirais, le récit du vainqueur que la projection d'une lecture ou d'une interprétation qui est faite par les forces qui sont au pouvoir. Et qui donc efface certains événements, accentue d'autres. C'est pas nécessairement d'ailleurs de mauvaise foi, parce que la question de la lecture des événements est une question extrêmement délicate. Les historiens eux-mêmes ont affaire, quand ils sont honnêtes, ça peut exister dans les pays qui sont des pays cultivés à tradition justement historienne. Il faut aussi que constamment ils réfléchissent sur leur propre engagement, investissement, projection, etc., en tant que narrateur. C'est pas neutre, ça ne l'est jamais. Ça veut dire Ça même. n'existe pas. Mais du coup, l'importance des archives, par exemple. Les archives, c'est décisif. Et ça, alors, on peut dire qu'on a besoin de mémoires archivées partout dans l'univers. C'est décisif. D'autant plus que ça, alors, c'est ce que je dis là est une banalité, mais la narration historique, dans tous les domaines, elle change. C'est-à-dire que de génération, enfin peut-être pas tous les 25 ans, mais tous les 50 ans en tout cas, il y a une révision qui est opérée parce que tout simplement on a changé de point de vue, on a déplacé, on regarde les choses autrement. Et puis parfois, il y a des déplacements énormes. Par exemple, tant que, je prends un exemple banal, hein, tant qu'on est en période de post-colonisation, on a une période colonisatrice. Alors c'est très bien les colonies. Ensuite, on a une période décolonisatrice. Alors on est en période post-coloniale. Et à ce moment-là, c'est très mal les colonies, etc., etc. On change l'histoire, etc. Puis petit à petit, tous les 50 ans, on a évidemment une transformation du point de vue, et donc il faut refaire l'histoire.
50 ans, c'est un cycle. Je dis 50 ans parce que je pense que c'est deux générations. Moi, mon chiffre, c'est 40 ans. Pourquoi? Parce que je pense deux fois 20 ans, c'est-à-dire deux générations. Mais on peut dire 40, 50 ans. Voilà. Les deux dernières générations sont celles qui ont eu le plus accès à l'information depuis l'histoire de l'humanité. Oui. Pourtant, on est aussi parmi les plus ignorantes. Oui. Enfin, il ne faut pas exagérer parce qu'on était tout aussi ignorants autrefois. Hein. Ce qui est saisissant, c'est le décalage entre les moyens d'information, qui sont mondiaux et qui sont immenses, et la non-information, qui reste la même, qui est stagnante, parce que les gens continuent à être sous-informés, désinformés, incultes. Ils ne sont pas plus cultivés aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. Même moins, puisque l'enseignement est en train de perdre de son acuité et de son efficacité. Donc voilà, on est là maintenant l'écart entre les moyens colossaux et ce que ça donne en ce qui concerne l'information de l'individu est immense. Même sur la langue. Dans tous les domaines. Et que penses-tu de ce jeu de mots qui dit en anglais history, c'est his story, qui justement reviendrait à dire c'est celui qui gagne, qui choisit l'histoire. Est-ce Oui, que ça c'est un mot féministe, hein. C'est normal. Je veux dire que alors l'histoire en général depuis toujours a été écrite par les hommes, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. L'histoire des femmes commence à peine à être faite. Et toute l'histoire depuis qu'elle existe et toutes les archives, etc., ont été faites du point de vue, effectivement. Alors là, si on prend ce point de vue-là. Tout à l'heure, quand je te répondais, je pensais en termes, j'avais cru comprendre que c'était en termes, par exemple, de qui a fait l'histoire de l'Inde, qui fait l'histoire de l'Algérie, etc. Bon, à un moment, c'est la France qui faisait l'histoire de l'Algérie, maintenant l'Algérie fait l'histoire de l'Algérie, mais comment, etc. Bon, voilà. L'histoire de l'Inde, ils n'ont pas encore fait leur propre histoire, parce que l'histoire n'est pas une véritable science développée en Inde comme dans les pays occidentaux. Tu as des tas de pays, au Pakistan, on ne fait pas l'histoire. Non. Etc. etc. Bon, donc c'est à ça que je m'adressais tout à l'heure. Mais si on pense à la transmission, qui n'est pas une narration, parce que l'humanité ne fait pas son histoire universelle depuis les origines, non. Mais par contre, l'idéologie mondiale, qui est une idéologie masculine, phallocratique, est faite par les hommes depuis toujours. Et là, effectivement, le point de vue des femmes émerge au début du XXe siècle, ne commence à se faire entendre qu'à la fin du XXe siècle, et bien sûr que l'histoire vue par les femmes n'est pas faite. Et est-ce qu'elle sera jamais faite? J'en suis pas sûre, parce que les archives n'existent pas. Il faut les ranimer, il faut. Bon. On sait, par exemple, faut faire un certain travail, mais il faut aussi retrouver les traces. On sait que le premier roman dans la littérature française a été écrit par une femme. Il se trouve que c'est ça, c'est Madame de Lafayette. On sait aussi que le no, au Japon, était une invention d'une femme. Sauf qu'ensuite, elle est recouverte parce que petit à petit, le Japon fait comme tous les autres pays, c'est-à-dire repousse les femmes en dehors de l'action et les remplace par des hommes. pourquoi? Ça, alors écoute, vraiment, vraiment, je ne souhaite pas répondre ici parce que je ne veux pas répondre en 5 minutes à quelque chose qui a 5000 ans. Hein? Pourquoi? Mais écoute, l'histoire se trouve avoir été. Enfin, la vie des êtres humains a été captée de manière extrêmement historique par le sexe fort, par celui qu'on appelait le sexe fort, c'est-à-dire par celui qui a imposé la loi du plus fort. Et c'est comme ça aujourd'hui encore, c'est tout. C'est-à-dire disons que la misogynie est un. Et colore la totalité de toutes les histoires de la planète Terre. Sexe fort, mais pourtant la violence est l'outil des faibles. La violence? Et l'arme des faibles. Mais pourquoi? Mais jamais de la vie. Comme si les forts n'étaient pas. Mais les forts, c'est la violence pure. Ce sont deux violences qui s'affrontent. Non, absolument pas. C'est quel faible qui utilise la violence là? À qui tu penses? Souvent, par exemple, un homme qui a du mal à s'exprimer, bat sa femme. Ah, mais ça c'est plus compliqué. C'est justement un fort, enfin c'est celui qui a le pouvoir et qui est un faible. Et regarde ce qui se passe par exemple en ce moment dans les pays qui sont en train de se soulever. Ce sont des despotes.
qui ont tous les pouvoirs et qui apparaissent comme faibles. Hein? Donc, voilà. Mais je ne pense pas justement que les faibles prennent les armes, nécessairement. Je pense que souvent, ils sont anéantis, qu'ils ne veulent pas non plus recourir à la violence. Moi, je pense que la violence est toujours le cas des forts, des méchants forts. Méchant fort. Donc l'homme est un méchant fort. Oui, mais il y a aussi des bons forts qui transforment leur force en douceur.